dessiné des parcelles sur le trottoir, chacune portait un numéro peint en blanc, et même le sol. Toute la population de la commune s'était rassemblée là. Certains avaient fait couvrir boutique dans leur garage, d'autres avaient sorti des tréteaux. Une jeune femme s'était retranchée sous le haillon d'un break, immatriculée dans les Yvelines. La pluie et les orages de 30 années avaient délavé son visage, beau encore. Un enfant, mitouflé dans son manteau, dormait à ses côtés, détaché d'elle, affranchi de sa tutelle par le rêve. Je ne puis dire quelle pensée l'occupait quand je l'aperçus. Elle profitait visiblement de cette trêve que lui accordaient ses devoirs de mère pour retrouver le monde. Elle posa sur moi les yeux. Une étrange pâleur, elle redevint tout à fait femme lorsque nos regards se croisèrent. J'avais remarqué près d'elle une console de marbre et de belle ferronnerie qui m'était apparue comme le seul objet ayant un peu de noblesse parmi tout le bric-à-brac laissé sur le trottoir par les bradeurs. Le tablier de la console était orné de roses de fer. Le dessin en était élégant, la ligne sobre. Plus que le prix, j'aurais aimé en connaître la provenance. Je songeais qu'on ne trouvait pas cette qualité de mobilier dans les pavillons du village, à moins que derrière un boqueteau, séparé de la route par un mur ou isolé au fond d'une allée, une gloire déchue des folles années 30 ait fait construire une retraite.